Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club pour cette partie du jeudi. Jeudi, cette partie est une partie joker à vocabulaire courant. Je rappelle le principe de la partie joker. On a un joker à chaque coup. Dans le top, le joker est censé remplacer une lettre, bien sûr. Eh bien, on va aller chercher la vraie lettre dans le reliquat, la poser sur la grille à la place du joker et ainsi on conserve le joker pour le coup suivant. Voilà, on procède de la même façon jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire, c'est-à-dire quand la lettre remplacée par le joker n'est plus disponible, auquel cas on prend le deuxième joker, puisqu'on a la chance d'en avoir deux, et on continue de la même façon. Et quand on ne peut plus, eh bien, on termine la partie normalement, voilà, avec ce qui reste. En général, les deux jokers dans ces parties-là, en tout cas, on reste généralement avec un joker jusqu'à assez tard dans la partie. Il est rare que on n'ait plus de 3-4 coups sans joker à la fin. Voilà. Et puis, c'est une partie à vocabulaire courant, c'est-à-dire que j'ai sélectionné les tirages pour que les tops donnent des solutions de vocabulaire a priori courant. Donc, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un mot qui vous paraît plus compliqué que ce que je croyais, parce que ça reste subjectif quand même, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. À l'issue de la partie, le traditionnel décodage. On va passer en revue tous les coups pour voir les principaux sous-tops et les isotopes. On verra également les définitions des sous-tops pour le coup peu courants. Et puis les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, parfois 9 lettres que nous n'aurions vues ni pendant la partie, ni pendant le premier temps du décodage, justement. Voilà, allez, on va y aller. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et à en parler autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux par ici. Allez, sur les lettres qui s'affichent en bas hein, au niveau du chevalet virtuel ne sont là que pour faire de la décoration au début pendant que je parle. Ce n'est pas le premier tirage de la partie. Le premier tirage de la partie, le voici. Vous n'avez aucune lettre devant vous et prenez votre premier joker, forcément. Égypte E, Italie I, Océanie O, Algérie A, Tunisie T et Danemark D. Vous jouez avec Joker, Égypte, Italie, Océanie, Algérie, Tunisie et Danemark. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Top de ce premier coup est à 68 points. Horizontalement, en H4, le joker est remplacé par un B de Belgique. Nous plaçons des boîtes. D-E, le B de Belgique qui remplace le joker. O, I sur la case centrale. T-A. Déboita, D-E-B-O-I-T-A, en H4, ça fait 68 points. Aucune lettre au reliquat, on récupère la première lettre blanche et on prend Italie I, Canada C, Luxembourg L, Égypte E deux fois et Portugal P. Vous jouez avec Joker, Italie, Canada, Luxembourg, Égypte deux fois et Portugal. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 83 points. C'est un U d'Uruguay qui va venir remplacer le joker. Verticalement en 8A, pour terminer sur le I de déboîté, nous descendons Alpagué. A-L-P-A-G. Le U d'Uruguay qui remplace le joker. A et le I de déboîté. Alpagué, 8A, ça fait 83 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On prend le premier joker, toujours disponible. Norvège, N. Italie, I. Yougoslavie, Y. Suisse, S. Jordanie, J. Et Égypte, E. Vous jouez avec Joker, Norvège, Italie, Yougoslavie, Suisse, Jordanie et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 101 points. Attention à la solution choisie, verticalement en 11 E. Attention à la solution et attention à sa place également. Verticalement en 11 E, le joker est remplacé par un S de Suisse. Et de façon à mettre un I au bout de déboîta, nous descendons Eclipse. E-C-L-I-P. Le joker remplacé par le S de Suisse et E. Eclipse, E-C-L-I-P-S-E en 11 E, ça fait 101 points. Aucune lettre au reliquat. Le premier joker est toujours là. Luxembourg, L. Algérie, A. Grèce, G. Algérie, A, deuxième. Portugal, P. Algérie, A, troisième. Vous jouez avec Joker, Luxembourg, Algérie, trois fois, Grèce et Portugal. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 60 points.
La lettre blanche est remplacée par un R de Roumanie horizontalement en L7, de façon à mettre un E au bout de Eclipse. Nous posons Syrien. S-Y. Le R de Roumanie pour remplacer le Joker. I-E qui vient au bout de Eclipse pour faire éclipser et E. Et le N. Syrien. L7. 60 points. Une lettre reliquat, Jordanie. Nous allons la rejeter. Donc vous rejetez le J. Vous reprenez le premier joker. Ainsi que Maroc M. Roumanie R. Italie I. Algérie A. Luxembourg L. Et Uruguay U. Vous jouez avec Joker, Maroc, Roumanie, Italie, Algérie, Luxembourg et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points. Verticalement en 5D, attention à la solution choisie. Le joker est un
est remplacé par un O d'Océanie. Nous descendons Mouleret. M, Joker, O, pardon, Joker remplacé par un O d'Océanie. Un vrai O. U, L, le E de déboîté, R, A, I. Mouleret, M-O-U-L-E-R-A-I, en 5D, ça fait 82 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici le premier joker toujours là. Et nous prenons également Océanie. Ah non, non, pardon, pardon. Suisse S. Égypte E. Luxembourg L. Tunisie T. Deux fois. Et Italie I. Vous jouez avec Joker, Suisse, Égypte, Luxembourg, Tunisie deux fois et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 84 points. Le joker est remplacé par un A d'Algérie.
verticalement en 12B en collant ta droite des premières lettres de Eclipse. Et pour mettre un T au bout de déboîté, nous descendons l'ST. L-E-S-T. Le joker remplacé par un A d'Algérie. I-T. Au passage, nous formons E-E-T, SA-C-A, LI-L-I et déboîté A-I-T. L'ST 12B, pardon, ça fait 84 points. Rien au reliquat, on récupère le premier joker. Et voici Océanie O. Uruguay U. Québec Q, Québec. Venezuela V. Danemark D. Roumanie R. Vous jouez avec Joker, Océanie, Uruguay, Québec, Venezuela, Danemark et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cinquante et un points. Le joker se voit remplacé par un E d'Égypte verticalement en 8J. On appuie sur le Y de Syrien. Nous descendons voyeur. VOY. Le E d'Égypte qui remplace le joker, UR. Voyeur, 8J, VOYEUR. Ça fait 51 points.
un reliquat de deux lettres, Danemark et Québec. Nous les rejetons, donc vous rejetez le D et le Q. Voici le premier joker, toujours là. Italie, I. Égypte, E. Wallonie, W. Océanie, O. Jordanie, J. Et Danemark, D. Vous jouez avec Joker, Italie, Égypte, Wallonie, Océanie, Jordanie et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cinquante-six points. Horizontalement en B10, en appui sur le L de l'esté, sans utiliser le joker, nous posons jolie. J-O-L-I-E. Jolie, J-O-L-I-E en B10, ça fait 56 points. Reliquat de trois lettres, Danemark, Wallonie et le premier joker. On ajoute Égypte, E. Norvège, N.
Kenya, K, Kenya. Italie, I. Vous jouez avec Danemark, Wallonie, Joker, Égypte, Norvège, Kenya et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cinquante-cinq points. Horizontalement, en L1, le joker est remplacé par un S de Suisse qui va venir au bout de Mouleret. Nous posons Kiné. K-I-N-E. Et le S de Suisse remplaçant le joker, transformant Mouleret en Mouleret AIS. Kiné, K-I-N-E-S, en L1, ça fait 55 points. Deux lettres reliquats, Danemark et Wallonie. Cette fois-ci, nous les rejetons. Vous rejetez donc le D et le W. Nous repartons avec le premier joker, toujours là. Uruguay, U. Hongrie, H. Roumanie, R. Italie, I. Uruguay U, c'est le deuxième. Et Suisse S. Vous jouez avec Joker, Uruguay deux fois, Hongrie, Roumanie, Italie et Suisse. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente-neuf points. Verticalement en 1K en appui sur le K de kiné. Le joker est un E d'Égypte. Nous Et remplacé par un E d'Égypte, nous descendons skier. S-K-I-E qui remplace le joker et R. Skier en 1K, ça fait 39 points. Trois lettres au reliquat, Hongrie, Uruguay deux fois. On ajoute le premier joker. Norvège N. Algérie A. Et Maroc M. On joue avec Hongrie, Uruguay, joker, Norvège, Algérie et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Trente-quatre points. Le joker est remplacé par un S de Suisse, verticalement en deux H, en appui sur le I de kiné et en collant à droite de skier, nous descendons Huma. H-U-M-A-I-N. Et le joker remplacé par S de Suisse. Au passage, nous formons ça, in et e, avec les lettres de skier. Humain, H-U-M-A-I-N-S en deux H, ça fait 34 points. Les plus experts, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que j'ai fait deux choix de top qui n'étaient peut-être pas tout à fait académiques, on va dire, par rapport à une partie normale. Mais comme on est en partie à vocabulaire courant, j'ai préféré retenir des tops justement relevant du vocabulaire courant. Je vous expliquerai ça plus en détail dans le décodage tout à l'heure. Alors, une lettre au reliquat Uruguay, on la rejette. Vous rejetez donc le U, et voici le premier joker qui s'accroche toujours. Norvège N, Océanie O, Égypte E, Venezuela V, Québec Q, Québec, et Tunisie T. Vous jouez avec joker, Norvège, Océanie, Égypte, Venezuela, Québec et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
71 points. Attention à la solution choisie. Enfin, en réalité, attention à la lettre remplacée par le joker. Ce sera un E d'Égypte. Horizontalement en N4. Sur le U de voyeur, nous posons évoque. E-V-O-Q, le U de voyeur. Le joker est un E d'Égypte. Il est remplacé par un E. N-T. Évoque, E-V-O-Q-U-E-N-T en N4, ça fait 71 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Le premier joker toujours là. Et on prend Maroc, M. Canada, C. Roumanie, R. France, F. Égypte, E, deux fois. Vous jouez avec joker Maroc, Canada, Roumanie, France, Égypte, deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cinquante-neuf points. Faites très attention à la solution. En réalité, à la lettre remplacée qui va venir remplacer le joker, ce sera un O d'Océanie. Verticalement en 1D pour coller à gauche des premières lettres de humain, nous descendons forcé.
F. Le joker est remplacé par un O d'Océanie, R, C, E, E. Les deux dernières lettres formant E, E, H et U, E, U avec les deux premières de humain. Forcer, attention également à l'orthographe, on met bien deux E. Et c'est en un D, on forme deux mots de deux lettres. Ça fait 59. Un reliquat d'une lettre, Maroc. On récupère le premier joker. Et voici également France, F. Grèce, G. Algérie, A. Uruguay, U. Et Norvège, N. Vous jouez avec Maroc, joker, France, Grèce, Algérie, Uruguay et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. points. Joker remplacé par un E d'Égypte verticalement en 14B. En partant du E de Joli, nous descendons en fumage. E, N, F, U, M, A, G. Et le E d'Égypte qui remplace le joker. En fumage, E-N-F-U-M-A-G-E, en 14B, ça fait 66 points.
Aucune lettre reliquat. Le premier joker toujours là. On les aura jusqu'à la fin, vous verrez. Algérie A. Égypte E. Wallonie W. Tunisie T. Hongrie H. Et Xénophon X. Vous jouez avec joker, Algérie, Égypte, Wallonie, Tunisie, Hongrie et Xénophon. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 71 points. Attention à la solution retenue. Le joker est remplacé par un R de Roumanie, horizontalement en O11. En partant d'en dessous du T de Evoque, nous posons extra. E, X, T, R, A. Le R, donc, c'est la lettre qui remplace le joker. Au passage, nous formons T, T, E avec le T final de Evoque. Extra. E, X, T, R, A. En O11, ça fait 71 points. Un reliquat de deux lettres, Hongrie et Wallonie. On a toujours le premier joker. Et voici également Luxembourg L, Zambie Z, Uruguay U et Tunisie T.
Vous jouez avec Hongrie, Wallonie, Joker, Luxembourg, Zambie, Uruguay et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 39 points. Verticalement en 7F, on appuie sur le haut de déboîté et en collant à gauche de quelques lettres de alpagué, le joker va rester sur la grille cette fois-ci pour remplacer un S de Suisse. Donc je disais verticalement 7F, nous posons chaud. Le joker qui est un S, H, O, W. Au passage, nous formons SU et A, H, A avec le U et le A de alpagué. Donc joker S de Suisse, chaud S, H, O, W en 7F, ça fait 39 points. Un reliquat de 3-4 lettres, Luxembourg, Tunisie, Uruguay et Zambie. Nous ajoutons le deuxième joker, Belgique B et Danemark D. Vous jouez avec Luxembourg, Tunisie, Uruguay, Zambie, joker, Belgique et Danemark. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente-quatre points. Ce sera le dernier coup de cette partie joker à vocabulaire courant. Le joker va remplacer un O d'Océanie verticalement en 6B. Nous posons ZOU, Z, le joker qui remplace un O et U qui forme MU avec le M de Mouleret. ZOU, ZOU en 6B. Ça vaut 34 points. Voilà qui termine cette partie donc en 17 coups pour un top cumulé de 1053 points. Une jolie petite partie que l'on va s'empresser de décoder tout de suite. Alors, le décodage, je vous rappelle le principe, ça se passe en trois temps. Dans un premier temps, on passe en revue les coups de la partie pour voir les autres solutions au top et les principaux sous-top. On voit ensuite les définitions des mots peu courants. Donc là, ce seront des définitions de mots qui auront été joués en, qui auront été vus en isotope et, ou en sous-top. Et troisième temps, ce sera un autre affichage, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et parfois 9 lettres, que nous n'aurions pas vues précédemment, c'est-à-dire ni pendant la partie en elle-même, ni pendant le premier temps du décodage où on passe en revue tous les coups. Voilà, ça pourrait... On ne va pas revenir sur les sous-tops qui passaient lorsqu'on va aborder les potentialités des tirages. Sinon, c'est un peu trop fastidieux. Voilà. Et puis en bas, vous avez deux lignes qui défilent. La première, c'est une sélection de quelques mots de vocabulaire donc issus de la partie, hein, essentiellement des tops. Il y a des sous-tops aussi, mais voilà. Donc, par exemple, skier, je vous l'ai mis parce que longtemps, le verbe a eu son participe passé invariable, parce que skier, ça voulait dire pratiquer le ski. Mais comme ça veut aussi dire descendre, enfin parcourir une pente, descendre une pente à ski, voilà. Le verbe est devenu transitif direct, donc la pente a été skiée, la piste a été skiée, et voilà, c'est possible maintenant. Et donc, je vous ai mis, il y a Pécil qui s'écrit P-E-C-I-L-E ou P-O-E-C-I-L-E, Alpaca, Alpaga, tout ça c'est des noms masculins, Jenny, nom féminin, Émulé, verbe, Altiste, c'est un nom, Alto, pluriel Alti ou Alto avec un S, nom masculin, le Kyudo, nom masculin. Voilà, je vous laisse voir la suite. Et puis en dessous, je vous ai mis, alors je mets en général une petite, soit une petite liste, soit un set plus intéressant, soit une astuce, une phrase mnémotechnique, ça dépend des jours. Et là, comme on a eu Jenny en sous-top, J-Y, je vous ai mis tous les mots jusqu'à 7 lettres qui contiennent et le J et le Y. Voilà, vous en voyez, il y en a quelques-uns qui sont jolis, le Bajoyer, le Ojibwe, avec le W en plus, donc voilà. Je vous laisse découvrir ça. Et on démarre le décodage de cette partie. Donc au premier coup, on avait plusieurs Scrabble possibles. On a retenu des boîta pour les rallonges, hein, le I, le S, le T ici. On pouvait également jouer pour le même score, 68 points, à droite, décoté, dégoté, dénoté, dépoté, détonné, diazote et doteré, pardon, également godessia, on verra la définition après, et iodate, hein, du verbe iodé. Notez également un autre Scrabble possible, mais qui fait 2 points de moins, puisqu'il ne permet pas de doubler le dé étant pile poil au milieu du mot, coedita. Est-ce qu'il y en a d'autres avec le dé au milieu? Je ne crois pas. Ah si, érodé. Et c'est tout. Donc là, on a vu a priori tous les 7 lettres possibles avec ce tirage. Donc pendant les potentialités du tirage tout à l'heure, je n'en reparlerai pas. Alors, ici, clipper, éclipse,
polisser, picoler, c'est transitif aussi. Bon, tout ça, ça passe. Ce qui fait le plus de points, c'est avec le I au milieu pour pouvoir quadrupler tranquillement, Eclipse notamment. Pestil, il faut connaître, hein, ODS8, avec, ça s'écrit P-E-C-I-L-E ou P-O-E-C-I-L-E, on verra la définition après. Et polisser, ça faisait aussi 101, c'est-à-dire que les deux cases roses sont recouvertes, on est en quadruple, c'est le top, y compris théorique. Et là, on a deux mots qui passent, trois mots qui passent, pardon. Même endroit, clipper, clipser, épécler, pestil, P-O-E-C-I-L-E, tout ça, ça fait 81 points puisque ça ne quadruple pas. Et si on met un S-Joker au bout de Debuata, on a 80 d'éclipsé. Waouh, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que devant Eclipse, on peut mettre un D. C'est bon à savoir. Allez, le coup suivant. Alors, on a Alpaga en main. A-L-P-A-G-A, en six lettres. Hein, le mammifère voisin du lama. Et du coup, avec le joker U, on peut aussi faire le verbe alpaguer. Donc on a alpaga à T, alpaga à S, on a alpaga en 7 lettres qui met un S à Eclipse qui fait 71. Et pour le top, on va aller chercher le triple en 8A. Notez également qu'il y avait Galapia à 62 sur le T de déboîté et sur le I à 61. Et après, on ne scrablait plus, on avait Paja, Pagel à 31. Le tirage suivant, le J, le Y, on a envie de les utiliser tous les deux, mais a priori, c'est pas évident. Avec ce tirage, en tout cas, on verra les potentialités tout à l'heure, notamment peut-être qu'en 9 lettres, il y a des trucs, on verra. Et donc là, le piège, c'est qu'on va jouer sans le... pour le top, en tout cas, avec Jenny, hein, si on connaît, on marque quand même 57 points, en doublant, en triplant et le J et le Y, ici. Et en L10 également, en faisant éclipser et E, ça fait 56 ou 57 selon l'endroit. Et donc Syrien qui fait un peu plus, tout simplement parce que double, le mot double le Y et le mot dans son entier aussi. Voilà. Donc ça fait 60 points. Le coup suivant. Alors c'est là qu'en temps normal, j'aurais dû choisir émulerer. Parce que les ouvertures ici sont meilleures avec un E plutôt qu'avec un M. Voilà. Mais j'ai choisi moulerer parce que mouler, c'est du vocabulaire courant et ébuler, un peu moins. Bon. Ça se discute. Vous m'en tiendrez par rigueur. Voilà. Et donc, il y avait plusieurs solutions en quadruple et toutes en ERAI. Donc là, c'était vraiment la terminaison à privilégier. Émulerer, il y a grumeler qui est en ELAI, pardon. Grumeler, meulerer, plumerer. En triple, en 1A, on a miolera, muraya à 77. En C8, on a plumeré à 72. Allumoir en B7, 70. Muraille en B2 également. Alluminé à 66, ameublir. Bon voilà, il y a plein de solutions. La mineure. On ne va pas toutes les faire, il y en a trop. Il y avait de quoi scrabler sur ce coup. Allez, le tirage suivant, le coup suivant. L'esté, il passe en collante pile poil là-bas, enfin pile poil. Sur 4 lettres, ça fait quand même pas mal de points avec des boîtes à IT, 84. Sous top, altiste qui double et qui met syrien au pluriel, ça fait 80. Et ensuite, on a des solutions en 74 en triple avec des ailettes, des altistes au pluriel, attelés du verbe. Bléti en 13F, également ilette, font 74. Ça met un S à syrien. Même si ça double pas, ça fait quelques points. Alors, le tirage suivant. On est tenté de chercher avec QU, genre évoquer, des choses comme ça. Vaquero. Et bien, il n'y a rien de tout ça. On va se servir voilà, du Y de Syrien qui permet d'accéder à une case rouge. Donc, c'est intéressant. Et donc, en 4 lettres, on a Youp, York, Yod, Yard qui font entre 36 et 39. Yuko également. Kyudo à 42. Et puis, plus courant comme vocabulaire, Voyeur.
Avec le V, donc ça fait plus de points, 51 en l'espèce. Vous voyez, Vaquero, ça passait là. Avec le Q qui triple, hein, ça fait 35. Et Quado en 4K, formant Qui, QI, ça faisait 35 également. Je vous rajoute quelques définitions, histoire d'apprendre de nouveaux mots pour ceux qui parmi vous débutaient. Alors, le coup d'après, ben joli, voilà, on sent le joker. Ça fait 56. Même endroit, Jello, 54, joli, yes, voilà, c'est sans intérêt, hein, les autres solutions, 54, Julie. En O1, Joie qui met un S à Mouleret fait 47 et Judo en 4A qui fait Homme, ça fait 44. Le coup d'après. Alors, week-end, ça ne s'écrit pas comme ça. Non. Hein. On peut l'écrire, on peut le jouer au Scrabble en un seul mot, week-end, W2EKEND. Ce qui passait là en sous top, non, a priori non. Donc là pour le top, kiné, le K qui double, le mot qui double et le S qui transforme Mouleret, ça fait 55. Kawi avec le K en pivot sur une case blanche, mais quand même 54. Et puis le Xi en 15A qui fait 45 pour mettre joli au pluriel et pour tripler. Le coup d'après, on verra tout à l'heure les possibilités de ce tirage. Rien vu, mais on ne sait pas. Alors là aussi, j'ai fait un choix non académique. En tournoi officiel, je me serais fait lyncher. Normalement, on doit utiliser la solution qui ne prend pas le joker. Vous voyez, là, on a Kir, Crew et Kourou. Et j'ai pris ce qui est. Voilà, je ne sais même plus pourquoi. J'aurais dû prendre Kir. C'est une erreur, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas la partie de se dérouler correctement. Donc on a joué ce qui est, vous avez vu les quatre solutions à 39. Bon, évidemment, tout se passe ici en 1L avec le K et le mot triple. On a kid, kif, kit, enfin voilà, kill, keep, kir, etc. À 36 points, une foultitude de solutions. Alors, ici, eh bien, humain va coller à droite de ce qui est. 34 points. Sous top, barre à 31. Le H en pivot sur la case bleue. Shan, 27 ici. Sura également là, en I3. Amish, 25 en 10J. Jolie place. Mais pas un gros score, malheureusement. Alors, ici, on va chercher. Soit le joker le prendre comme un U, soit chercher les U sur la grille pour pouvoir placer le Q. Et donc on a celui de voyeur qui est disponible pour évoquant et évoque. Voilà, qui font 71 points. Évoque passe aussi en 14B. Et là ça fait moins puisqu'on a moins de cases de couleur recouvertes. 67. Veston en 1D. Jolie place, le V qui double, le mot qui triple, OH en pivot qui triple également. Ça fait 51, 53 points, pardon. C'est TOC, même endroit qui fait 51. Le coup d'après, justement, on va utiliser cette place. On a deux solutions à 59, forcé et farcé. Fermé, EE ou ER, ou formé, framé, frimé, tout ça fait 56. Je vous mets framé, hein. C'est un nom féminin, il n'y a pas de frame, FRAME. Hein. Voilà. On en reparle tout à l'heure aux définitions. Voilà, donc tout se passe ici forcément. Hein. Le triple devant le H, on peut mettre n'importe quelle voyelle à part le I et le U, mais on a le E là déjà, c'est très bien. Et on triple dans l'autre sens, ça fait plus de 50 points forcément, avec les lettres qu'on a. Alors ici. Bon, un Scrabble unique, ça surprend tout, ça peut surprendre toujours, même si on fait AGE, on a le E qui nous tend les mains là en appui, donc ça peut venir, mais ça peut aussi se rater. Donc si vous n'avez pas enfumage à 66, c'est pas grave.
Espérons que vous ayez au moins Fusa ou Sauf en 13L, 13J pour 27 points. Fan, Fun, Nef, 25. Alors, ici, le X qui double, le mot qui triple, plusieurs solutions possibles en O11, donc il fallait pas zapper la place. Donc on avait expat, exeat, exact et axe, ENT, on a retenu extra. Axé, c'est de l'autre côté avec le X en pivot, ça fait 49. L'X en pivot sur une case bleue, exam pareil. Voilà, le coup suivant, le show, le H en pivot, le W qui double, ça fait 39 points. Wow, qui fait homme et O en 4C, ça fait 37, et Zou en 6B, 34. Zou qui va être le top au coup prochain, et un joli ailé ici, qui double pas, mais il y a le Z qui double, le H récupéré, on récupère les points du H dans IHI, ça fait 32, c'est joli. Et puis le dernier coup, Zou A34, sous top blaisé, au même endroit qu'on a fait ailé tout à l'heure, 32. Brélé 31, Gaz et Ra en J4, le Z qui tripe, ça fait 31 aussi. Voilà, on en a terminé pour le passage en revue des coups de la partie. Et on va passer maintenant aux définitions. Donc elles sont pas dans l'ordre forcément de la partie. Ce n'est pas exhaustif non plus. Si vous voulez poursuivre, approfondir vos connaissances, je vous invite à soit regarder dans l'officiel du Scrap si vous l'avez, soit à utiliser le site du Dauphiné Savoie, le site mobile m.crds.fr qui est très pratique, très bien fait, et que j'utilise ici avec l'autorisation aimable de son webmestre pour illustrer les définitions du décodage. Alors, diazote, hein, c'était un sous-top au premier coup. Molécule formée de deux atomes d'azote, et il y a également l'adjectif diazoté, donc diazoté E. Godessia, c'est une plante ornementale. Pécile, P-E-C-I-L-E ou P-O-E-C-I-L-E, dans l'Antiquité grecque, c'était un portique orné de peinture. Alpaca ou alpaga, ruminant voisin du lama, et ça désigne également l'étoffe qui est faite avec le poil de cet animal. Jenny ou génie, c'est une machine à filer le coton, en espérant qu'il ne soit pas mauvais. Émuler en informatique veut dire simuler le fonctionnement d'un ordinateur au moyen d'un autre. Altiste, personne qui joue de l'alto, l'alto étant l'instrument très proche du violon, en plus d'être la plus grave des voix de femme, mais pas dire que la voix d'une femme soit un instrument dont on peut jouer. Voilà. Donc l'altiste joue de l'alto en tant que instrument très proche de violon. Salut l'altiste. Le kyudo, c'est le tir à l'arc japonais. Le kawi, une ancienne langue javanaise. Skier, je vous disais tout à l'heure, descendre une pente à ski. Farcé en Afrique signifie mystifier. Wow, interjection québécoise et familière pour dire c'est assez, stop. Blaisé, partie passée invariable, synonyme de zézéyé. Alors clipper, je vous l'ai mis pour le verbe, c'est la même chose que clipser, fixer avec un clip, mais il y a également clipper, C-L-I-2-P-E-R, qui est aussi un nom du coup. On peut l'écrire E-U-R également, et c'est un ancien voilier rapide. Le Galapia, c'est un vaurien. Ilette, une petite île. Jello, au Québec, c'est une gelée à saveur de fruits. Crou, adjectif et nom masculin d'un peuple du Libéria et de Côte d'Ivoire. Kourou, c'est une encéphalite. Exeat, autorisation donnée à un fonctionnaire de changer de poste en quittant son ressort administratif. Voilà. Et c'est variable, du coup. On peut mettre un S maintenant. À un moment donné, c'était un variable, il me semble. Oui, vous voyez, si je clique sur le S, avant l'ODS7, c'était invariable. Expat, adjectif et nom expatrié. Vaquero, un bouvier ou conducteur de taureaux de combat. Le Quado en République démocratique du Congo, c'est un réparateur de pneus.
Voilà, la framée, donc toujours Framee, hein. Il n'y a pas de frame, il n'y a pas de verbe, il n'y a rien, qu'un nom féminin, et c'était le javelot des Francs. Et ben voilà, on a fini avec les définitions. On va passer maintenant aux potentialités des tirages, donc pour ça je change d'affichage. Et les voici. Alors, au premier coup, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Toutes les sept lettres, on les a vues. On va regarder ce qu'il y a de joli quand même. Et mon doubayote, tabloïde, carotide, cotriade. Donc, tout ça, c'est des huit lettres. Adjointe, délation. Modalité. Ouais. Diatomée et E, nom féminin toujours. Audiotex, ça c'est beau. Voilà, bon, beaucoup de solutions, hein, forcément. Et puis on est en partie joker, donc tous les tirages ayant un joker, il y a forcément pas mal de solutions. Alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant la partie? En cette lettre, on les a tous vus. En appui, bon, je vais pas voir les conjugaisons, sinon ça fait trop. Enfin, en tout cas, pas les déclinaisons des sept lettres. Alopécie, capelier, capeline, épincelat, facélie, placière, spécial, épicycle, clupéidée, pédicule, ploséidée, épiclèse, épincelé, compilé, inculpé. Ok. Bon, je pense avoir fait le tour. Le tirage suivant, eh bien, on avait tout vu. Pour ce qui est des 7 et 8 lettres en tout cas. Et en 9 lettres, alphapage. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit récepteur de messages téléphoniques. D'accord. Alphapage, ça me dit rien du tout. Ok, allez, le tirage suivant. Alors, il n'y avait rien en 7, rien en 8. Et en 9, jointoyer. Voilà, pour voir une maçonnerie de joints. Donc, jointoyer et S, là, avec ce tirage. Le suivant. Alors, Ulmer miaulé en 7. Miraculé en appui qu'on n'a pas vu. Mailleur, maillure. Vélarium, formulé, trémulé. Solarium. Mioleur. Ok, bon, on va pas aller voir les neuf lettres, il y en aura trop. Ici, c'est pareil, beaucoup de solutions. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Lisette, liste NT. Lutite, lotite, sittelle, stylité, tolite. Ok, on appuie. Bon, il y en a trop. Hein. Ça va pas être smaltite. Allez, je vous en donne 3-4. Schlit, celtiste, lutiste, flûtiste. Voilà. Beaucoup de musiciens dans cette, avec ce tirage. C'est un vrai orchestre en fait. Allez, ici, rien en 7, rien en 8 et en 9 non plus. Ici, c'est pareil. Le coup d'après, idem. Le coup suivant. Ouh, c'est superbe. Surhumain, shiker et ouïghour. Surhumain, c'est magnifique. Ça, ce sont des 9 lettres. Hein. Il n'y avait rien en 7 et rien en 8 avec ce tirage. Ici, eh ben, de nouveau surhumain et anthurium. Anthurium, c'est une plante hein, de mémoire. Ornementale, oui. Là, on les avait vus, forcément avec le R en plus. Vacheron,
invoque Novotic en solution potentielle supplémentaire en 9 lettres. Et ensuite, là, oh la vache, il y avait Mâchefer sur A ou H, et c'était le seul 8 lettres possible avec le tirage. Et en 9 lettres, le pluriel, forcément, confirmé, conformé, forcément. Forcément, forcément. Faut commettre, hein, mais pas de délit. Voilà. Et puis c'est tout. Encore moins de crimes. Alors, enfumage, fumagine. Pour les 8 lettres. Et en 9 lettres, on rajoute fumigeon. De notable. Ici, W, H, T, X, il n'y avait rien en 7, rien en 8, rien en 9. Et ici, c'est le dernier coup. Rien non plus. Non, le dernier coup, c'est celui-là. Eh bien, rien non plus. Allez, on va laisser un petit affichage. Hop. Mâchefer est forcément. Bon, allez, le mâchefer, je vous mets la définition. Hein. C'est une sorte de charbon, je crois. Scorie provenant. Enfin, c'est. D'accord, oui. Scorie provenant de la combustion de la houille. C'est en lien avec le charbon. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette partie, d'avoir suivi ce décodage. J'espère que vous avez appris 2-3 bricoles, passez un bon moment. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bien sûr, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, à en parler autour de vous. Et puis, d'ici la prochaine partie, bien, portez-vous bien. Ciao, ciao.